Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui ? Nous sommes ici aujourd'hui parce que le président de Djibouti, Omar Guelleh, a rendez-vous à l'Union africaine, ACP, l'Union africaine, et nous voulons démontrer que ce qu'il dira n'est pas vrai. Voilà. Et notamment, Omar Guelleh a tenté de faire des négociations avec l'opposition USN, qu'il n'a pas respecté. Donc il a juste fait semblant de faire des accords pour être ici tranquille à Bruxelles, nous dénonçons cela. Il veut s'accorder sur des engagements, mais en fait il n'applique rien, c'est ça que vous dénoncez, c'est que depuis un an la situation est bloquée. Tout à fait, depuis un an et quelques jours maintenant la situation est bloquée. Il joue à une négociation. D'ailleurs, c'est nous qui avons été les premiers à demander la négociation. Mais lui, il a aussi commencé à proposer la même chose, mais pour ne pas appliquer, pour ne pas respecter les paroles données. Donc nous dénonçons cela ici aujourd'hui. Et alors aujourd'hui, les Djiboutiens, ils sont avec les Tchadiens. Il y a peut-être d'autres communautés. Pourquoi vous vous êtes tous rassemblés, toutes ces communautés africaines ? Alors les Tchadiens et les Djiboutiens ont un point en commun. Ils ont à la tête de leur pays deux dictateurs, Omar Guelleh pour Djibouti, Idriss Déby pour le Tchad. Et les deux dictateurs fonctionnent de la même façon, c'est-à-dire ils répriment leur peuple. À Djibouti, les actions sont interdites. Au Tchad, pareil. Il n'y a pas de prisonniers, il n'y a pas de liberté au Tchad de manifester. Et donc nous avons cela en commun. Nous manifestons ensemble parce que nous avons la même problématique par rapport à nos pays.